Notre objectif, tout un chacun, moi en tant que candidat, je suis venu avec un principe, c'est que c'était ma devise de campagne, c'est lance ensemble pour le football africain. Et ce n'est pas seulement un slogan, mais j'y croyais. Pour moi, il fallait vraiment qu'on travaille ensemble. Et c'est pas que je sois obligatoirement président ou dans un poste, mais sinon, c'est de mettre mes connaissances, mon savoir-faire, mon dynamisme au profit du football africain. Et à partir de là, j'avais pas de problème de m'asseoir à table avec mes collègues candidats, mes amis candidats et mes frères, afin de discuter d'un programme commun. Je ne peux pas dire que ça a été facile, c'est 2 jours de négociations, de discussions, mais je tiens à le dire, on ne nous a pas imposé de signer. On ne nous a pas imposé, personne ne nous l'a imposé, ni les médiateurs, le médiateur principal qui était la Fédération Royale Marocaine, mais je le rappelle ici, on s'est réunis tous les quatre ensemble, tout seul, et on a débattu de la situation du football africain et quelles sont les solutions qu'on peut apporter.